La réalité, c'est qu'aujourd'hui, nous avons 128 000 places d'hébergement ouvertes au jour où je vous parle, contre 82 000 en 2012. Et c'est plutôt, dans les régions les plus tendues, 30 % des demandes d'hébergement qui ne trouvent pas à la fin une place. Mais pas que des personnes qui sont dehors. C'est aussi des personnes qui, parfois, sont très mal logées ou sont hébergées chez des tiers. Agir contre la grande exclusion, la grande pauvreté, les grandes difficultés des personnes à la rue, c'est faire de l'hébergement d'urgence, c'est répondre à leurs besoins de santé, c'est avoir des accueils de jour, c'est aussi redonner par exemple à des femmes victimes de violences le droit de rester dans leur logement et que ce ne soit pas le mari violent qui y reste. Voilà les politiques que nous menons, c'est complexe. Et moi je vous le dis aujourd'hui, je suis très mobilisée sur l'hébergement, je le suis aujourd'hui mais je le serai aussi en plein mois de juillet, en plein mois d'août ou au mois d'octobre.